أصدقاء، السلام عليكم، بونجور ou بونسوار les amis، en espérant que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et parmi vous, autour de vous. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 48e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, et c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia continue toujours d'analyser modestement ce conflit persistant entre l'Espagne et le Maroc à travers les péripéties de Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Batoche, et ce qu'il en est aux dernières nouvelles, aux dernières actualités. En effet, dans cette crise opposant l'Espagne et le Maroc, les autorités marocaines ont exigé que ce Ghali ne quitte pas l'Espagne à bord de l'avion présidentiel algérien, alors que de nouvelles poursuites s'annoncent contre le chef du Polisario et s'annoncent contre lui pour question de terrorisme. Le retour de Brahim Ghali à Alger n'a pas été une sinécure. Des heures d'âpres négociations directes entre des officiels marocains et espagnols ont été nécessaires, révèle OK Diario. Et les Algériens, soucieux de rapatrier coûte ce chef du Polisario, et immédiatement après son audition par la justice, se sont pliés aux conditions des négociateurs espagnols qui subissaient la pression de leurs interlocuteurs à Rabat. Un jeu d'échecs où, au final, chacun des trois protagonistes peut se targuer d'avoir remporté la partie, et face à l'évidence que la justice espagnole ne prévoyait pas d'interdire à Ghali dit Ben Batoche de quitter le territoire ibérique, la partie marocaine a jeté toutes ses dernières cartes pour au moins lui compliquer le voyage. Elle a exigé que l'avion devant transporter le chef du mouvement séparatiste ne soit pas un appareil public de la présidence algérienne. C'est d'ailleurs le même avion médicalisé qui a atterri le 18 avril dernier à la base militaire de Saragosse, avec à son bord le patient Ghali Ben Batoche ou Abdallah. Ce qui explique que le Gulfstream 7T VPM qui a décollé le 1er juin de la base Boufariq a été contraint de rebrousser chemin sur ordre du gouvernement de Pedro Sanchez, précise la même source. Une décision prise pour satisfaire une revendication du Maroc, puisque les Marocains ayant insisté pour que l'avion n'appartienne pas à la flotte de la présidence algérienne. Madrid et Alger ont accepté cette condition. Et le gouvernement Sanchez s'est alors rabattu sur l'entreprise française Airlec pour assurer le retour de Ghali en Algérie. Et les négociateurs marocains ont ensuite posé deux nouvelles exigences qu'aucun officiel espagnol n'accompagne le chef du
Polisario à l'aéroport de Pampelune, que l'opération de son départ soit filmée. Le gouvernement espagnol a accepté ces deux conditions. Par contre, on ne sait toujours pas qui a pris en charge l'avion médicalisé français. La version officielle, donc espagnole, indique que le contrat d'Erlec a été réglé par les caisses publiques algériennes. Une version démentie par certaines sources consultées qui assurent que la facture a été payée par l'Espagne, souligne OK Diario. Mais quel que soit le coût de l'affrètement de ce vol, la facture politique de l'hospitalisation de Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Botoche, reste bien plus lourde pour le gouvernement espagnol. Cependant, le tribunal d'instruction numéro 2 de Logroño a ouvert mercredi dernier une procédure pour crime de terrorisme contre le chef du Front Polisario, Brahim Ghali. Et après le départ du chef séparatiste vers Alger, la presse espagnole a révélé que le tribunal d'instruction numéro 3, cette fois, de Logroño, avait engagé une procédure pour savoir si Rally avait bien commis un délit de falsification de documents pour entrer en Espagne. Et dans ce sens, une plainte indique qu'il a utilisé bel et bien une fausse identité à son arrivée le 18 avril dernier, ce que rappelle Europa Press. Et Manos Limpias a saisi la justice le 21 mai dernier, relevant que les faits suggèrent l'existence possible d'un délit de falsification par particulier de documents publics ou même commerciaux. Et ces poursuites s'ajoutent donc à celles pour lesquelles Brahim Ghali a comparu devant l'audience nationale, où il est poursuivi pour viol, enlèvement, séquestration, torture et crimes contre l'humanité. Les juges ont considéré que les garanties étaient assez suffisantes pour ne pas prendre de mesures conservatoires à son encontre, ce qui lui a permis de quitter le territoire le jour même. Et depuis, il a été admis dans un hôpital militaire algérien et l'ambassadeur sahraoui à Alger, Abdelkader Talib Omar, a confirmé à Europa Press que l'état de santé du chef du front s'améliorait. Et donc, dans l'attente d'une suite de ce feuilleton, chers amis, c'est ici que prend fin la petite séquence d'aujourd'hui, en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre patience, votre fidélité et surtout votre confiance. Aussi, n'oubliez pas de nous aider et d'aider Bled Maghribia, votre Bled Maghribia, en vous y abonnant et en partageant les séquences de votre chaîne autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah.
مع السلامة.